peut dire bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire bonjour Seigneur Jésus-Christ? Bonjour Seigneur Jésus-Christ. Enfin, avant que tu puisses t'asseoir, toi aussi, dis à toi, 4, 5 personnes, bonjour et après, tu reprends ta place. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que bon ensemble. D'abord, je félicite toi personnellement et l'Église en général pour avoir tenu bon toute cette semaine. Vous étiez brave, vous étiez persévérant. Félicitations. La Bible dit dans le livre de Luc, c'est par la persévérance que vous sauverez vos âmes. Aujourd'hui, c'est la fin de la première tranche. Nous continuerons demain. Demain lundi, il n'y aura pas de pause. Lobby lundi, et nous allons commencer avec un prédicateur venant de l'extérieur. C'est vraiment un homme que Dieu utilise puissamment. Un grand prédicateur. Un grand enseignant. J'espère que vous serez bénis. Voilà pourquoi je lance l'appel de tout et chacun de continuer comme vous l'avez fait la semaine dernière à être là, présent et surtout à temps. Je pourrais même dire nous irons de gloire en gloire parce que nous clôturons cette semaine la gloire qui était avec nous cette semaine. En tout cas, elle ne sera pas supérieure à la gloire qui sera là la semaine qui commence. En tout cas, je vous exhorte d'être là, de ne pas rater. Amen. Amen. Et je suis je chute aujourd'hui concernant notre message autour de. Du livre de Agée, chapitre 2, verset 9. Nazo kitalelo kolandisama matea la biso ezagi na buku ya Agée voilà pourquoi, mibale. Comme d'habitude, nous allons lire. Nous allons lire deux versets. Le premier c'est Agée. Deux, neuf. Et le deuxième c'est dans le livre de Jean 14, verset 27. Je pense que l'Église peut lire. Agée 2:9, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. C'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Encore une fois, le même texte. Agée 2:9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. C'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Maintenant, pour le deuxième texte de Jean 14, 27. Je vous laisse la paix. Sois prêt pour traduire. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Je ne vous donne pas comme le monde donne.
que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Est-ce que l'Église peut dire amen? Mettez-vous. Bien-aimés, aujourd'hui le thème que je vais exploiter, c'est la paix. Je pense que vous avez remarqué dans les deux textes, ce mot-là se retrouve. Dans Genèse 9, la dernière phrase, l'avant-dernière dit, c'est en ce lieu que je donnerai la paix. Et dans Jean 14:27, Jésus dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Dans Jean 14, Jésus a le bien dit qu'elle vient au Kimia Nanga, la paix si bien au Kimia Nanga. Et il ajoute la paix que le monde ne vous donne pas. A Baki ça le bien Kimia homo Kilie go paix sa bien au thé. Si je retourne, je rentre au début, je disais ceci, que la prophétie d'Achée est une prophétie eschatologique, c'est-à-dire cette prophétie a un lien avec la fin du monde. Cette prophétie a un lien avec l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Cette prophétie est un pont entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est-à-dire, l'histoire de cette prophétie commence dans le passé et qui va se terminer au futur. Quand Agé parle du premier temple, il voit Salomon, qui est le bâtisseur de ce temple. Quand il parle du premier temple, il voit Jérusalem, le lieu où ce temple-là a été bâti. Quand il parle du premier temple, il voit la richesse qui y était. Quand il parle du premier temple, il voit les Babyloniens qui sont venus piller ce temple. Prendre toutes ces richesses. Mais quand il parle du deuxième temple, là, il ne voit pas Salomon, il voit Jésus. Et la Bible dit, ici, c'est plus que Salomon. Allez-y comprendre que la gloire du second temple vraiment sera supérieure à la gloire du premier temple. Quand il parle du second temple, il ne voit pas Jérusalem comme dans l'Ancien Testament, mais il voit nouvelle Jérusalem. Quand il parle du second temple, il voit la richesse. Mais quelle richesse? C'est la richesse de toutes les nations de la terre qui va, comment dire, affluer dans les temples. Ce n'est plus comme cela était à l'époque. Cette fois-là, ça sera plus que ça parce que toutes les nations amèneront leur richesse dans le second temple qui est dans la nouvelle Jérusalem où Jésus-Christ est en train de trôner. Et quand on voit, il parle de la gloire du second temple, c'est-à-dire il voit un temple qui ne sera plus jamais pillé comme le premier. Nous ne sommes pas encore arrivés au temps de la nouvelle Jérusalem. C'est apocalyptique. Mais comme j'ai toujours dit que dans la Bible,
il y a toujours le déjà et le pas encore. Ah, na Bible ezala na makambo ese salama na makambo salami na noté. La prophétie de Agé ne s'est pas totalement accomplie. Lisakolia Agé kokisa mana mobimba na ngote. Cette prophétie s'est partiellement accomplie. Pour lisakolane kokisa makaka te. C'est partiellement accompli. Et kokisama ya ndambo. Nous sommes en train de vivre une partie de cette. Tozo bika etenya lisakolia agir. Voilà pourquoi je parlais de Jésus-Christ quand il est venu introduire son ministère. Yango na lobela ki Jésus-Christ tanga yaki ko banda lotomo na ye. Il a commencé à annoncer par certains signes. Abandi ko pesa basango. L'un des premiers actes qu'il a posé pour annoncer une nouvelle ère, c'était de se diriger tout droit au temple pour aller chasser les commerçants. Mokwa biloko yambo ya salaki za kiko kene malamo na temple ko bengana batamombongo. Voilà pourquoi il a même dit ceci. Talatina lo bayi kutuboyi. Détruisez ce temple, je le rebâtirai dans 3 jours. Bokuka temple lo sima mikolomi satu na otele misango. Il parlait de son corps. Azaki kolobela nzoto ya ye. Il parlait de sa mort et sa résurrection. Voilà pourquoi quand il est mort et ressuscité. Yango tanga kufa ki asekwi. Ah, il est monté. Tant en matilicolo. Et il nous a envoyé son esprit comme gage. Atina lekin somo limona eloko la gage. Et son esprit commence à habiter en nous. Pe molimona bandi ko vanda kati na biso. Notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Bandi soto na biso komi temple la molimo mo sang. Ce n'est plus question de temple édifice, mais maintenant notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Ezali soto likambo ya temple lo mota tongi te kasi soto na biso komi temple la molimo mo sang. Voilà pourquoi la Bible dit Christ est en nous l'espérance de la gloire. La Bible le dit Christ kati na biso eliki ankembo. Donc il s'agit de cette gloire là supérieure au premier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le tout premier miracle produit par les apôtres. Pierre et Jean se sont rendus devant. Se sont rendus au temple, ils ont vu un paralytique assis devant. Pendant que les pharisiens prêchaient les Torah, il y avait un cas devant l'église qui ne parvenait pas à résoudre. Un paralytique était là. Mais cette fois-là, c'était une nouvelle ère. Pierre et Jean sont venus devant ce paralytique. Pierre nous dit, regarde-moi. C'est-à-dire, tourne-le dos au temple. Pesa temple wana mukongo. Edifice. Regarde-moi qui suis en temple. Et Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent. C'est que jette le dos. Le paralytique marcha. C'est ça, bien-aimé. Nous, comme nous sommes là. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. En lisant Agé 2, 9, nous avons lu, je l'ai d'ailleurs expliqué. L'avant-dernière fois, Dieu dit, dans la prophétie de Agé, Dieu dit, c'est ici que je donnerai la paix. Yambo molongwane koma na suka nzamba lobi na esiko nde na kopesa bino kimia. Et c'est ça la même phrase. Nde yango kaka lobeli moko. Qui est la gloire du second temple, qui est le corps de Christ, Christ qui est même le temple. Il a dit aux disciples. Alobaki na ba yekoli na ye. Je vous laisse ma paix. Na tikeli bino kimia na. Je vous donne ma paix. Na pesi bino kimia na ngai. La paix que le monde ne vous donne pas. La paix de Jésus. Permettez-moi d'abord de définir la paix d'une manière hébraïque. Selon les Hébreux, la paix signifie shalom. C'est-à-dire prospérité, abondance. Abondance. Bien-être. C'est ça shalom. Dans le sens des Hébreux. C'est-à-dire, quand tu manges, tu es rassasié, tu n'as pas faim. C'est ça la paix. C'est-à-dire, tous ces enfants ont étudié, tes enfants ont étudié. Ils ont terminé leurs études. Tous se sont mariés. Et ils mènent une très bonne vie. Alors toi tu es là en paix. C'est ça la définition de
la paix selon les Hébreux. Ndimbola ya kimia kolandisa ma ba Hébreux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ici Jésus-Christ dit. Kasi awa Yesu Christ alobi. Je vous laisse ma paix. Natikeli bino kimia na ngai. Je vous donne ma paix si bino kimia na ngai. Pas la paix que le monde donne. Kimia omo kilero pesa te. Oh! Abraham. Pas la paix que le monde donne. La paix que le monde donne, c'est la paix que je viens de définir tout de suite. La paix selon les Hébreux. Rien ne manque. Et tu as tout. C'est ça. Tu es en paix. Mais cette paix-là dont Jésus parle, c'est pas la paix du monde, mais la paix de Jésus. Il a, quand est-ce qu'il a dit cette phrase? Quand il est ressuscité, et il voulait monter, et ce temps-là était un moment hostile pour les disciples. On cherchait à les persécuter. Les disciples avaient peur. Ils tremblaient. Et ils se sont tous cachés quelque part. Ils ont fermé la porte, les fenêtres. Ils avaient peur qu'on les tue. Qu'on les persécute. Et Jésus-Christ, quand il est ressuscité, il est entré là où il y avait les apôtres, là où il y avait les disciples. Il est entré dedans. Et il leur dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Lui, il parle de paix pendant qu'il y avait des turbulences. Les apôtres avaient peur. Lui, il parle de la paix. Lui, il monte, il sait que ses disciples, on va les chercher par les soldats. Il sait bien que les disciples seront persécutés. Ils seront martyrisés. Mais lui, il leur dit, hein, je vous laisse ma paix. Je vous donne la paix. Que le monde le donne. Il voulait dire, hein, la paix que Jésus donne, hein, veut dire ceci. Il peut avoir guerre dans le pays. Ah, bitumbe ko kyoza na mboka. Mais toi tu as la paix. Kasi yoza na kimi. Amen. La paix selon le monde. Kimia ko landisa mamokili. La guerre est finie. Bitumbe sili. Alléluia. Nous sommes maintenant en paix. Siko toza na kimia. Mais la paix que Jésus leur donne. Kasi kimi o Yesu azo pesa bango. D'ailleurs dans acte 9. Hein, na acte 9. La Bible dit. Biblia lobi. Pendant qu'on tuait les apôtres, l'église était en paix. L'église est en kimia. La paix que Dieu, Jésus donne, kimia o Yesu azo pesa, c'est-à-dire, elingi koloba, même si tu n'as pas mangé 2-3 jours, ata boliete mikolomi bale misato, tu as la tranquillité de l'âme. Oza na kimia na molema na yo. Amen. Oh. Amen. Voilà pourquoi on définit la paix comme, plutôt, la paix, oui, comme la tranquillité de l'âme. Il y a quoi tu fais ça? Ndimbola ya kimia lokola à cause la paix pele na molema na yo. La paix, Dieu, Jésus a dit, je vous donne la paix. Il s'en remet la paix si bien au kimia. Il donne la paix comme un don de Dieu. Apesi kimia lokola likabo ya nzambe. Pour le bien-être de l'homme. Pomo toa bika malam. Voilà pourquoi dans Esaïe 58, la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Yango na Esaïe 58, la Bible dit, fimbo epesa kabiso kimia kitela kimia. Généralement, il y a paix
jusqu'à la guerre est finie. Mingi mingi. Donc quelqu'un a vaincu le combat. Moto alongi bitumba. C'est le résultat de ce que Christ a gagné à Golgotha. Ezambano ya oyo Yesu Kristo alonga na Golgotha. Il a gagné la victoire. Azo elonga. Et cette victoire là. Elonga wana. Il vient nous donner la paix comme gage. Ayo pesa biso kimia lokola gage. Lokola gage. Il voulait dire même si il y a la guerre. Ayo ba tapi tumbe zali. Même si mais mettez-vous en tête que j'ai vaincu. Vous ne serez pas détruits. Vous ne serez pas vaincus. Laissez que la gloire du second temple sera supérieure à la gloire du premier temple. Et ce temple-là ne sera jamais détruit. Les temples en question, c'est toi. Voilà pourquoi la Bible dit que mille tombent à ton côté, 2000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas à terre. Amen. Lui, il parle de la paix quand il y a insécurité. Il est azolo bela kimia tango keba kebeza tango mo boulo ezali. Il voulait monter au ciel. Il n'a rien matin alors. Mais il dit je vous donne la paix. Alors bien la paix c'est bien au Kenya. Que le monde ne donne pas. Oh mon qui le paix ça la paix. J'ai vaincu la mort. Ego bana longi ne. J'ai vaincu la mort. Na longa liwa. J'ai vaincu les sorciers. Na longi bando. J'ai vaincu le monde. Na longi mokili. Même si il y a tremblement de terre. Ata, ma belle n'inga. Ne craignez rien. Bon bang et l'autre. Ne craignez rien. Bon bang et l'autre. Soyez calme. Bon la kimia. La gage que je vous ai donnée. Gage on a paix sabino. C'est le Saint Esprit. Et ça, Azam Oli mon Saint. Qui vous donne la paix. Azo paix sabino kimia. Soyez en paix. Bon la kimia. Soyez en paix. Bon la kimia. Les disciples avaient peur. Bayeko le bazalaki ko bang. Du représailles. Bazali ko bang na ko zo. La résurrection de Jésus était comme un fugitif. Ko se ko ayez a dit le rôle à muto baba bikis. Un wanted. Un recherché. Un muto bazo lukisa. On l'a tué, on l'a mis mabomi makundi au tombeau et on a mis des gardes et on a cadenassé pour qu'il ne sorte pas. Il était comme un prisonnier. Mais la façon qu'il est sorti, ils se sont étonnés. Maintenant, comme ils les cherchent, ils ne voient pas. Maintenant, leur colère sera sur les disciples. Et les disciples ont fui. Ils se sont cachés quelque part. Et Christ leur apparaît. Il dit, je vous donne la paix. Je vous laisse la paix. Pas comme le monde vous le donne. Il savait bien que le militaire allait chercher à tuer les Japonais. Mais lui, il parlait de la paix. Lui, il monte. Yé amati. Il ne leur a rien laissé. Atikeli bango elo côté. Rien à manger. Yagoli até. Il ne leur a pas donné même l'argent. Apesi bango tambo côté. Mais il dit. Kasa lobi. Que la paix soit avec vous. Kimieza la nabino. Il dit ça. Asolo bango. Sans pour autant leur donner un rond. Kozanga kopesa bango tablo kasa. Même pas un pain. Atali paté. Mais il dit soyez en paix. Kasa lobi bosa la kimia. En Christ, on n'est pas en paix seulement sur le boumeton du robinet à la kimia. Na Christ, au kimia, ça l'arrête à tête en lieu. Même si tu ne manges pas, sois en paix. Attends, au lien à noter, ça l'a kimia. Quelqu'un qui a Christ ne se tracasse pas. Motois à la Christ, ami tout qui s'en va. Voilà pourquoi la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Le bimbo, ami tout qui s'en va de l'autre côté. Non. Avant de monter, je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Pas comme le monde vous donne. Il sait bien que comme il monte là,
Les disciples auront de sérieux problèmes avec les démons. Les démons, les sorciers vont les attaquer. Ils les savaient, mais il dit que la paix soit avec vous. Et pourtant, c'est dans le monde, on a la paix quand la guerre est finie. Mais lui, quand il y a la guerre, lui, il dit que la paix soit avec vous. La paix, bien-aimé, est un équipement surnaturel qui accompagne les chrétiens pour ne pas échouer. Ah, kimia ezali bipunelo elekeli bo moto o ekendaka na mo Christ po ya kakemate. La paix est un équipement surnaturel qui accompagne le chrétien pour ne pas échouer. Kimia ezali ebuneli o elekeli bo moto o etambolaka na mo Christ po ete ya kakemate. La paix est un gage qui prouve que nous avons la victoire. Ah, kimia eza mokolo te zo tali sete toza ne longa. Même au balité, nan au balité, mais osa na kimia, parce que tu sais, li ba les ali. Même si tu n'es pas marié, tu es en paix parce que tu sais que le mariage est là. Hey. Oraba, my God, sakaraba, my God. Toraba. C'est ça l'équipement. Surnaturel qui nous accompagne pour que nous ne chouons pas. Même s'il n'y a pas de travail, qu'il n'y ait même pas d'argent, mais nous avons la paix. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous savons qu'il a vaincu. Amen. Le roton lobi moussa les ali. Yangwa na zala na kimia. Amen. Cette paix qu'il a donnée aux disciples est un gage qui prouve que nous avons la victoire. Il voulait indirectement dire aux disciples, j'ai déjà vaincu cette bataille. L'homme est déjà Argentine, Australie, match c'est Silaki. Amen. Lui, il a tout fait, il a tout accompli. Ta vie est en différé. Bon, avant à sili sa vie na yo, avant à banda vie na yo, ça sili sa ki. Amen. Avant yo botama, il y a sa sili histoire à vie na yo. Amen. Alobi, depuis le ventre de ta mère, même quand tu n'étais pas encore dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'ai établi prophète. Lui, il a précédé le monde. Voilà pourquoi tout ce que le diable peut faire aujourd'hui, c'est en retard. L'histoire de ta vie a déjà été écrite. Voilà pourquoi j'ai toujours dit ceci. Quand tu vois un architecte en train de construire, ou quand tu vois un chantier, on est en train de construire une maison. C'est que cette maison était déjà finie. Amen. L'architecte avait déjà fait le plan. Architecte a déjà fait le plan. Amen. La paix est un lieu où est un lieu qui montre que nous ne serons pas atteints. Ah, kimia ezali esika ozo talisa ete biso tosimba mate. Est un lieu qui montre que nous ne serons pas atteints. Kimia ezali esika moko ezo talisa ete biso tosimba mate. Je parle de la gloire du second temple. Nazo bela kembo tempelo ami parler. Qui ne sera plus jamais pillé. Oubliez les événements passés. Oublie que tu as avorté hier. Cette fois, c'est pas question d'avortement. Ça, c'est la gloire du second temps. Oublie les échecs d'hier. Une nouvelle page est tournée. Et Christ te dit, je te donne la paix. Même si tu n'as pas encore vu ça, sois là en paix. Kimia. La paix c'est comme une assurance. Kimia zé lo wala go suki sa. Hey! Maman ma fille, yo zawana, na ye, na bi maman ma fille, na pesi yo chèque oyo. $1,000,000. Na pesi yo mkolonil. Le lo journée, na pesi yo le lo. Dimanche. Na pesi yo dimanche.
Sois calme plutôt. Dieu t'a déjà fait et a terminé. Sois calme. Sois en paix. Reçois la paix. Que le monde ne peut pas donner. Ceux qui n'ont pas paniqué, ils ont la kimia. Amen. Un équipement surnaturel. Kimia Eza et Bounelo et le Kelibomoto. Partout où tu peux être, ton cœur est en paix. Et si Kanyon Soko Kosa la Kote Manoza na Kimia, tu es le second temple. Yosa Tempelo Yami Bale. Les choses anciennes sont passées. Makabwa Kale Leka. La détresse ne paraîtra pas deux fois. A pas ce que Marami Balete. Partout où toi tu seras, mets-toi en tête que Dieu est avec toi. Et si quand nous serons à la tienne, on a monté dans Mazana yo. Parce qu'il a envoyé son esprit. Patinda moli monaie. L'esprit de Jésus c'est Jésus. Moli monaie soit Isaïe. Qui vit en nous? Qui vit en nous? Oya zo pika kati na biso. Celui qui règne. Yenda zo konza. Celui qui dirige. Yenda zo kamba. Même si tu es dans l'avion. Atosa na pepo. Papa 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 papa. Et bandi koninga. Toi sois en paix. Yo zala na kimia. Yavana zo mona bazo kati sa. Bazo kati sa. Ebale mbonge mbonge to zindi ya la lipomi. Amen. Voyez bien que to zindi te. Amen. Je pense toujours à un vol que j'ai effectué. Na banga na mopembo mona sala. Je reviens ça. Na songe na. On partait à Bangkok. Tozo kende Bangkok. On est descendu à Addis Abeba, de Addis Abeba nous montons pour nous diriger à Bangkok. Le climat était tellement mauvais, l'avion a changé l'itinéraire. Ah, tu quittes Addis Abeba, Addis Abeba, tu suis prêt pour toquer Bangkok quasi. Et qui m'a dit ma bête? Là, na l'icolo na niveau moko, aux hommes on a bacaké, Et s'il vous plaît, na quatre avions, chose au basal à raté. Bah comment cabola bah whisky. C'est du coup il te pèse à la sang froid. Bobo bangate. Bah il est gai. Mais n'est pas une vérité. Il est dans la chimie. Oh caca que. Avion bougé. Deuxième tour. Oh mais là. Mais j'ai vu un papa à côté de moi. Non mon ami papa m'a permis d'en aller. Quoi tu vois dans un endroit conséquent. On a vu. Mais nous sommes tous arrivés. Disons quoi que j'avais peur. Attends, j'ai pas trahi Jésus. Kasina trahi ça Jésus. Namela whisky. Amen. Oui. J'avais confiance en Dieu. Nazaki hotel ensemble. Oui, la peur c'est normal. Mutabanga. Dans la soro mutabanga la tata mutaliboma. Ah, na sina mona mutaliboma mokotang wana basoda 311e bataillon. Na na ebia 311e bataillon. Ozaki na seta. Baki et ah bango baki formé. Soda moko penza a otabo na nzela. Tellement mon robot y est pas soya, bah tout est ma péca qui oh cela n'a comprendré tellement mais non pas au bal en aïe des nous pourrons pas télé mais on va y battre la salle du moment cela n'a bio aux autres tout en aïe nous pourrons pas oh bon aux autres tout en aïe aux autres monnaie à bon la sonne à bi à wam cambo les canaux à bon nous sa canangaï cela n'a bi y'a bon nous sa tellement ma bi y'a bon nous sa canangaï soda bimisika ka wa baonet mo ba osuna mo na baonet ane ona esa la bo
bayonnette ya machuapanga. Ache. Mais tout hi. Nous sommes comme tel bon okima. Tout bon pour me faire. Papa mon rabbi, ça dit bon papa tika tika. Na soda mon rajon simbeli na malembe. Quelqu'un qui n'a pas peur. Il y a quand même une certaine dose de la peur. Moi, mais j'ai tenu bon jusqu'au bout. Si j'ai pas trahi Jésus. J'ai pas pris du whisky. Amen. Pendant des turbulences, Jésus leur dit : soyez en paix. Ce qui a fait que David tue Goliath parce que David avait la paix. Il avait la paix. Tout le monde tremblait devant Goliath. Mais David ne tremblait pas. Sans froid ni Mais au nom de l'Éternel. Amen. Cette paix, cette assurance, a fait que David a long à Goliath. Amen. Bien-aimé, même si la vie est en train de chavirer, garde ta foi, sois en paix. Gloire à Jésus. Il y avait la paix intérieure. Ce qui prouve que Christ vous équipe pour vaincre. Christ a bien aimé, si tu as la paix intérieure, même si tu as une globalité, mais on a la chimie. Et je t'en sais yo, pour vaincre. Amen. C'est Amen. La paix. Kimia. C'est la paix. Et ça, Kimia. Cette tranquillité suscite la foi. Cause à la paix, pelona la moté, mais boti sera condima. Voilà pourquoi David a écrit ce cantique. Et vous, David, a commandé mon âme, pourquoi t'as battu? Mon âme, pourquoi t'as battu? David voulait parler de la paix. Je vais dire à quelqu'un, la moto. Même si l'âge est avancé, le sois en paix. Zala na kimia. Sois en paix. Zala na kimia. Ne combat jamais l'ennemi quand tu n'as pas la paix. Quand tu n'as pas la paix en toi, n'ose pas combattre l'ennemi. Là, tu ne t'en sortiras pas. Voilà pourquoi on est même dans la boxe. Même dans le joueur. Même dans le joueur. Même dans le penalty. Même dans le joueur. Même dans le joueur. Si tu veux vaincre la mort et la paix, si tu n'as pas la paix, n'est-ce pas, je vous ai donné cette illustration. J'allais souvent prier pour un cas. J'avais l'habitude de voir deux lits voisins. Les deux femmes souffraient d'une même maladie. Le cancer. Je suivais bien leur discours. Un jour, j'ai entendu une maman là. Entre les deux voisins. L'une disait. Cela veut dire que mais Dieu m'a fait grâce d'écouter encore une autre qui est à côté d'elle, qui avait aussi le cancer. Mais je l'ai entendu dire à ses enfants. Au moins, je suis un peu comme ça. Ba matisa troisième étage pour tant na robima.
Amen. Soyez en paix. Soyez en paix. Mais moi je suis Oyo. Attends, mon bal a été Kimia. Il y a un Oyo Linga, mon bal était Kimia. Elle a la paix. Aza na Kimia. Il y a Nenge Wana. Et autant de sacré Aza su. Amen. Demain ou après-demain. L'hôpital quelque chose va se faire. Mais quand tu vois une fille courir derrière les hommes, elle n'a pas la paix. Elle est en train de paniquer. Elle n'est pas sûre d'elle-même. Elle croit qu'on ne voit pas les mains. Sois calme. Surtout dans l'ère d'adoration, quand on a mis sous moi, il y a fou. La paix que Jésus donne. Kimion yé soit paix ça. Pas après la guerre. A paix en gros si ma bitumba. Pendant. Nakata bitumba. Pendant. Tango bitumeza na. Mais il veut donner la paix. Ne yaya au paix sa kimia. Qu'est-ce que je dis? Nasolo banine. Soyez en paix. Bozala na kimia. Ce mois de décembre. Sans avoir décembre. Les choses vont se passer. Bama kabou salam. Amen. Même à ta osu mongo ya mèchite. Kingolongolo te. Soyez en paix. Sois en paix. Même à ta bilamba sika ezate. Sois en paix. Sois en paix. Tang nongwe ko ya. Amen. Contente-toi de ce que tu y as. C'est pela na oza nango. Lata bilamba yo lata. Amen. Ozo defa bilamba ya ya nengi. Pas super à yaya, pas bijou ya yaya, mais le roi cher, ce qu'on m'a pas loin à Robanga yo. On va pas en aller à niveau dans la terre, on ne l'aime pas, voilà. Contente-toi de ce que tu c'est as. C'est là la ta sapatou na yo. Amen. Là ta o et la mbaouana, attends là ta o mardi, vendredi, yaka na mo dimanche. Sois en paix. Zala na kimia. Je me souviens encore à Bandal, surtout les dans la Bandal. Quand on a introduit le culte de dimanche. Parce au début c'était un groupe de prières. On s'est réunissait que mardi et vendredi. Nous avons mardi et vendredi. Quand on a introduit dimanche. Quand on a cotisé dimanche. Faculté. Ah. Kodefa. Il faut dimanche pas mon aïe. Kodefa. Bah toi bon ba na kimiate. O ba defa kabila ba na kimiate. O ba yiba ba na kimiate. Bon yabite. N'a pas de solution longue. Ma personne terrain à l'université. Frère, Bayabi est pasteur. Pasteur, à terre, à la Tongo, avant que culte banana, ISC, à terre, à Ka, Bayabi est pasteur. N'a pas de marche comme un pasteur. Je ne peux pas respecter elle, je ne peux pas être en retard à terre, à Tikélie, qui t'y a vendu. Bayabi est pasteur. Mais prof a un interro à poser ma question. Bazo salaba interro. Jour on a passé la soukaki. Aïe bien ta réponse mon côté. Mais oza pemen naye mon baganou. Donc. Soka tu as joué à Koumi. Attendez, pasteur. Pasteur. Tu l'as ouézard. Tu vois, pasteur.
Voilà, prof, à télémé. Dans 10 minutes, moi, mon pagan, on a lancé ma réponse. Au minimum, combien? 3. Moi, passer à Zolia à Big. Ah, mais basta, basta. T'as là ma réponse. Il y aura pasteur. Elle est sous mon. Passe à Big. Dans 5 minutes. Ah. Alors, non, non, non. N'a pas pour papa. Je vais vous parler. Jour où on a attiqué au théa. Moi, la classe va y guette. Non, on va tricher, on va empêter. Sauf qu'il n'a pas bien, on y habite, tickets à la zéro. Oh, sois en paix. Sois en paix. Bato va y baka, bato va tricher, bato va kimia. Il y a un homme qui a battu pour Yiba, à côté du gouvernement, Yiba, il a perdu le lendemain. Il a perdu le lendemain. Or, le lendemain, il a lobby Goya. Prenez soin de soi. Je parle aux frères et aux sœurs de Mimosa. La gloire du Second Temple est là. La gloire du Second Temple est là. Les bonnes choses vont venir. Mais soyez en paix. Je sais qu'il y aura des tentations. Il y aura des tentations. Oui. Mais il y a un peu de temps. Tiens à la promesse de Dieu. Ne trahis pas Jésus. Amen. Tu n'es pas pasteur, ni n'avons où on est là pour nous va ordonner au thé. On se bandit au fond de l'église. La bato bongoa, bah na qui m'a thé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Bah na qui m'a thé. Celui qui est en paix est sûr de lui. Amen. Même à ta baba proclamer pasteur T, Azana Kimia. Amen. Donaye et Kozala. Amen. Balobeli biso mingi, balobeli mebino bo woumeni. Ozo monate ke baza ou utilise bino. Ça fait quoi? Les lotos sote yate. Amen. Sois en paix. Zala na Kimia. Mariage n'a vu ça. Il parle à nous, Zala. Baya ou le banote go monite go komi na karakatra. Yaya Yesu, est-ce que Zomona? Tant que Bazo Sekra, est-ce que Zomona? Ménopause Yangoyo, est-ce que Zomona? Tu pries comme ça? Vous êtes bon de la bombe. C'est pour réveiller sa conscience. Mais ce n'est pas pour dire que non, on a paniqué. Même quand on solutionne la vie. Sois en paix. Zalana Kimia. La paix est un équipement surnaturel qui accompagne les chrétiens pour ne pas échouer. La paix est un gage. C'est l'équivalent de la chose pour laquelle on était inquiète hier. Ezali o ekokani na eloko biso to ko komi tungisa mapona ngo lobby. Hier, l'eau de l'équipe, tu t'inquiétais des habits. Vous avez commis tungi sa pona bilamba. Mais quand tu as la paix, tant que vous avez la kimia, tu auras ces habits au moment opportun. On voit bilamba dans la paix, on va l'amour, on va mieux combattre. Amen. N'est-ce pas que je vous ai dit? Dès la loba na bino. Biloko na ngamo na kero yiba. Maman lambi biloko a bombé na armoire. Avant la scène, maman, je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire.
Chose que je pouvais manger paisible. Libala au robala, Moussala au robala, voyage au voyage. L'argent au simba yango. Au robala, d'ailleurs, on l'ingi au lata. Mais je te dis, sois humble. Voilà ma kimia. La paix est un gage. Les aligages. Oui, et pèse à la biso. Biloko, n'est-ce pas la vie de maman, ma fille. Avant de nous avoir un échec, il y a 1 million. Lélo, papa qui est fou, malade. Azouga a papier. Mais 1 million, on a mon nom. Mais à ça, on a un lobby. Quoi, il y a un lobby. Alors que les banques ont 1 million. Mais entre temps, on a un lobby. Azobina. Il y a un lobby. Mawa. Il y a un lobby. Il y a un lobby. Non, allez à Bandal. Trouvez le frère Achille de la sécurité. Si aujourd'hui il est devenu engagé à cause de moi. Papa. Il me connaissait. Il s'est posé des questions, mais frère, église, so, yo, louange. Quelle paix, quelle assurance. Mais yo, so, yé, la massica, des jours, voilà. Attends, vous parlez en haut et se perdez sur tes mains, vous regardez vos semés. Pour dire, le monument est sika. Jour où on a ta bien tête, on a mal à l'aise. Non, ça c'est pas la paix. Ça c'est pas la paix. Attends, l'été, basomo nous ont sauté. Yézo zolo basomo na mutunangai. Attends, balité, basomo nous. Oh, ça c'est un gage. Ça prouve que demain, on a nango. On y a des temps où on a eu coca. Les paniers circulent. Ne paniquez pas. Ne paniquez pas. C'est ça la paix dont Jésus parle. À tout ça, là, ma simulacre, on cause en latin. Si vous voyez bien, ici à l'église, mon à l'église, la cabelle à la bateau, au goût de bâtir en latin. À qui parle en réalité? À ça, s'en foutiste. Ah, bâton, n'est-ce pas, n'est-ce pas, cabelle à bâton. Frère. Simba oyo mena koka. Mais oyo bazalaka. Passa bonjour. Ah boni. Ça va pasteur. Oyo yako senga. Zala lo babu ça va pasteur. Ba oyo ba senga ka senga ka da église ba yako senga na ma pasteur. Baza bana ma bé. Tangango, ce sera la théologie. Qu'on réfléchisse. Si on joue à Rosting, on a passé la nature dans la liste rouge. Comme hier, j'étais quelque part. Je suis allé au film. Je suis allé au Moninga. Je suis allé au film.
Papa, bonjour papa. Papa, comment je peux te voir papa? Papa t'a mine. Trouve-moi cet endroit, papa. Oui, papa, merci, papa. Que votre Dieu vous bénisse. Et l'hôpital de Koutani Naye. Yango. Papa, j'ai un souci là-bas. Bon, à mon avis, je suis en train de chef de Mbongo. Yaye. Et papa, Mundele. Si vous coopérez dans Mundele, il y aura un peu de conseil. Si on bannit au sein de Mbongo, il n'y a pas qu'à déconsidérer. Ce n'est pas la culture. Comment mendicité à Boué? Comment? Azarou là, j'étais aux Aranzela. Chut, attends, monsieur. Tant à l'équipe, viens, attends 500 francs. Ni, pour ça, comme ça, on fait l'été. Pour que bébé boue pour la nuit. Zalana Kimia, à ton l'été. Zalana, nous sommes les soirées, Zali. Maman, il est dans le bar. Yo, mais t'as grave, maman, c'est le cas. Et ça, ils ont annoncé, maman, selon moi. Papa, ma confine, Zala, t'as un liaté, t'as un congrès. Toi, tu es désintéressé, mais efficace. C'est-à-dire, à mon angle d'intercession, mais à nos 15 jours, je suis passé dans le bureau pour nous battre au pasteur, je suis en valté. À nos 15 jours, laisse ça s'intéresser à qui n'angaï. Abi, désormais, il y a notre temps pour n'angaï. Et à l'aise, oui, à Kabel, ce sont ce genre de personnes. À Kabel, 20 dollars, tout ça, attend sur 3 jours, tout l'y a raté, n'a pas ses serres, n'a pas l'amba, l'amba, en tout cas, tout l'y a bien mis coloyo, à qui a l'ambi, pondou, à sommet tate, à Thompson, à jour, voilà, so. Je suis courage, mais comme je vais manger, je dis que je suis na bimi bo na komi na ndaku ba 23h na beti porte ba fungoli na koti na biwa kulo na ba biyango yo na be okay na fungoli boye bilo ka pamba fufu ezata na bi wa yete cancer na mama na Gladys na cancer wa bi na fufu na bi na muni ni mosa na mbomo na okosomo na bi a Nabi au Bomingaï. Ton lien a bien été le mieux que mon année, l'alia, ce soit Pamba et Zalaka. Nabi Menaké au Luka Kwang, c'était vers 23h et quelques. N'a quoi Kwang, et ça te mousse au bout de Petit Malili, mais pourquoi t'as un affaire? N'a qu'été qu'on t'a commis. Et le côté. N'a son son, la bande, pour la bizarre. Où est sa malédiction? Jour de relire à madame, t'as la marque comme. Na koti na ndaku na vandi na binandi ya boye tu ngali ya boye so pe na lali nzala bandoto wana omona ka ba demo ba ba olanda noka ko minu mo toi ko quelle agressivité oh na fungo le porte dans la diacre l'église na biso grand frère pasteur Oki pasteur na uti ba Congo. Je suis là qui 7 jours. Il y a un homme qui a été là. Même à minuit moins 3 avant 2023. Même
écoutez, Zala na kimia, qu'on soit naté, qu'on bounaté, soit à l'aise. Et qu'on y a plein sur ça. L'homme amène, madame Isat. Oh, 15 jours. Quand pour la raté, on va la la na yo, mais yo kaye, te. Nani go la la na mona na kouté pour balèque, t'en a pas à miyip. Ya yo, Eza, ya yo. Même à Kenda, Kozonga, Kaka. Sois à l'aise. Si on va se servir, bien au lia. Si je n'ai pas fait, on se lira pour le lia. On va se roumer là. On va se servir à l'aise. Oh, ya yo, tant que vous avez dit, on va se servir. Bango, ya yo. Sois en paix. Mobali azala zala te soit en paix. Moi na ye na na ye te kosa relonga mawa mawa te soit en paix. Dieu a préparé pour toi un jour. Chacun de nous a un jour. La paix c'est quoi encore? La paix c'est un lieu. Kimieza esika. Isaac a dit je suis à Rehoboth. Isaac a dit nazana esika nzamba. Ah, Dieu m'a mis au large. Je suis un robot. C'est-à-dire un lieu inatteignable. Là où tu es, l'ennemi ne peut pas venir. La Bible dit le nom de l'Éternel est une tour forte. Bible le Jésus se réfugie et se trouve en série. Atolali bemena mille sorciers là. Amen. Oh, nalobina yo, la, même atabasa ba sorcier là. Amina yo botambola na yeso ki 15 ans. Bolalaka. Bolamukaka. Bozaka bino mi balé. Après 15 ans ba loga za sorcier. Eh, o banu kima. Eh. Oyo oyo banu ka siko. Bon motango ya bagite ya sala yoni. Ne panique pas. Comment on va sur sa famille, on sale le côté. La paix est un gage. C'est une victoire que Jésus a acquise pour nous. Jésus-Christ a joué la bisso. Yangwana Bible lobi. Pierre était en prison. Pete Mazala qui na boloko. On l'a mis en prison. Matien na boloko. Le matin, on devait les tuer. Na tongo sengala ki ba bomaye. Réfléchissons ensemble, bien-aimé. To manyola ngo longo. On t'arrête. Bakangi yo. On t'amène en prison. Ba menyo na boloko. On te dit demain matin 6h. Ba bi lobby na tongo na 6h. On va t'exécuter. Ba ko kato ko tiendi ki sayo. On te fait entrer à 21h. Ba ko ti siyo na boloko. Mais toi, à 23h, tu dors. Yo na 23h, olali ozo gonflé. Est-ce que ça juste yo? Le matin on devait le tuer, mais la nuit il dort et il a fait des ronflements. C'est comme si il savait que les anges allaient intervenir. C'est comme si. Il savait. L'intervention allait arriver. Yangwana lalaki. Sokazana kimia tenya ola la tête. Nini ngoba cauchemar, nini ngoba yo na zola la tête mikolo. Tu n'as pas la paix. Ozana kimia te. Tu n'as pas la paix. Ozana kimia te. Pierre avait l'assurance. Pierre savait. Même s'il est en prison. Attends la boloko. Dieu allait intervenir. C'est ça la paix. Que Christ leur a donné. Aïe, aïe, aïe. Avant de monter. Dans des situations difficiles. Même si c'est impossible. Attends ma coquette. Il dort. Alali. Kimia. Amen. Sois en paix. Zala na kimia. Déjà mon thème comment mettre doukou quand était le 25. Il faut bien bas. Elle a pas ma bakala. Bon on l'a tibi la masika. Et si là ma mamoua. Ah. Surtout ma perronne il y a ma réception. Elle est au tomate là.
Reste là où tu es. Dikale sikozali. Age a dit. Aja lobaki. C'est dans cette maison que je donnerai la paix. Et dans ndako landi na ko pesa bino kimia. Cette maison là. Ndako ango. C'est le second temple. Et za temple lo mi balé. Que tu es. Oyo zali. C'est à toi que Christ a dit. Et ça pour que Christ a l'obat qui n'a pas ce kimia. Que le monde ne peut pas donner. Pourquoi? Pour Nanine. La victoire est déjà là. Et longue zézali. Maintenant, il dit attends ton tour. Yama lobi zela. Le moment viendra. Tamo koya. Tu vas entrer dans la gloire. Oko kota na kembo. Shalom. Shalom. Je n'ai pas ça. Na boya ngote. C'est vrai. Ya solo. Même ici. Kasi awa. Je parle de la paix de Jésus. Na solo bela kimia Yesu. Pas la paix des Hébreux. Kimia ba Hébreuté. Amen. Écoutez bien aimé, je vais chuter ici. Na kita awa. Quand Israël devait faire face, je crois, aux Philistins, Dieu a dit à Saoul que c'est le prophète Samuel qui viendra faire le sacrifice. Parce que Saoul n'était pas sacrificateur, il était roi. Mais quand il a vu que le temps a passé, il s'est dit non. Samuel est en retard. Samuel a oumeli. Et lui, il a fait à la place de Samuel. Il a sali mon salo et Seigneur qui Samuel n'a sala. La Bible dit. La Bible dit. Son cœur a battu. Motemane bête. C'est-à-dire, il a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. A sali le logo et Seigneur qui a salaté. Et il n'avait plus la paix. Azali sur la kimiate. Il n'avait plus la paix. Azali sur la kimiate. Yo kana ebi sayo. Ceux qui osent fiancer, là moi sur moi mobile. Ceux qui osent la kimiate, hein? Keba, asa yote. Est-ce que cela n'anga? Ceux qui osent la fiancer, nan mobile anité. Attends même un bossu mobile anité. Ceux qui asa kotio sur kimiate, monte manou ils ont, oh sentir kaka. Keba, c'est un signe que asa yote. Je vais vous donner un devoir. Je vous donne ma paix. Après paix c'est bino kimia. Voilà un adjectif possessif. Ma paix. Kimia yangai. C'est pas la paix que le monde donne. Mais ça kimia moki le paix s'arrête. Yanga moko. Recevez la paix de Jésus. Oyamba kimia Yesu. Recevez la paix de Jésus. Oyamba kimia Yesu. Croyez aux promesses de Dieu. Ndime la bila kanzambe. La paix est un signe de longévité. Kimia eza elemba bomo imolai. Mais au moment où tu as comme une jalousie, il n'a pas la paix. Mon inga t'ai bien, yo essaye de monter ma passe. Osana kimia te. Mais quand ton projet prêche bien, yo y a encouragé. Ça prouve que tu as la paix et toi aussi tu sais que ton tour.
Nasukiawa, bon aroloba. Je reviens encore à ça. Nazonge la molisus. On avait deux chefs. Vous avez n'abat konzimi balé. Chef Kakina et Madi. Chef Kabila na Madi. Ils nous ont dirigés depuis des années. Bah, comme biso bamboula. Quand ils sont partis, ils ont voyagé. Tant bah bembuki. Maintenant c'est notre génération. Et comme ce qu'on est biso. Et c'est le pasteur a dit, c'est parmi vous que je vais nommer un chef du département de l'intercession. Mon bas département de l'intercession. Entre nous soit dit. Biso na biso dolobana. Entre nous soit dit. Tout le monde disait que c'est moi. Parce que la façon dont je dirigeais, les gens venaient me dire. Et le jour J, le pasteur est entré. À l'obi. À partir d'aujourd'hui, le chef du département. C'est le frère Ange. Et à la grande surprise de tout le monde, là le diable allez, entra à moi et dit Satan à côté de l'Ingabalobi. Inaïe, ça arrive. Mais moi j'ai dit arrière de moi, Satan. La façon dont j'ai combattu cette haine, il réagit ça. Il faut le faire. Nous sommes des humains, ça peut arriver. Et comment ça va? Mais je t'ai abattu. Et si Maginga pensa. Et quand on sortait, quand on tozo bim. À ce temps-là, je n'avais pas encore tendu la main à Maman Iguette. Na la singa na Maman Iguette. On se regardait seulement comme ça. Tozo tala na kaka. Et son ami, Moninga na ye, avec qui elle était tous les jours. Baba zaki pensa mutolonyo. Est venu avec elle devant moi. Ba yena ye liboso na ngai. Di. Ba yolo ba. Papa Matou, lelo na lota ki noto. Nzambe tel ki ngai ke. Tu sangas dans le département d'intercession, balatisio manteau, balobi voici l'homme, le chef du département. Mais balatisio nini, toj. Ah, notre dernier c'est il colo. Moi, dans ce matin, moi, ça vit dans la rue Benaï. Abi, merci. Dans ce matin, on a vu Oyo. Oyo, bah, bindoti là. Oui, dans le dernier. N'amo. Mais quand j'ai commencé à travailler, Daddy Espé l'a dit un jour. Tata Espé le badjo mokolo moko. Je félicite, j'étais ancien, je félicite l'ancien matou. Na pesi le ngonya l'ancien matou. Na tchaki ange, bonna na talaye, soza motema malamu. Mais pendant que son frère ange était le chef, c'est lui qui faisait pour que le département avance. Il faisait tout. Et 6 mois après, j'ai compris qu'il a un bon cœur. C'est alors que je l'appela pour lui dire qu'il n'est pas seulement chef du département, mais tu es ancien dans l'église. A comme une pâque à l'église. Ah! La paix. Kimia. Est un instrument surnaturel qui nous accompagne pour ne pas échouer. Que Dieu nous bénisse. Beta Maboko, bien. Quel message. Est-ce qu'on peut bien acclamer le roi des rois? Un message extraordinaire. Alléluia. La paix vaut mieux que l'argent. Même les millionnaires sont en train de se suicider. Même les présidents de la République, des fois, n'ont pas la paix. La paix.